GCPD, comme un puzzle. Quoi? On arrive le plus vite possible et Crane l'a déjà tué? Oh, il a pas le sens du spectacle. La blaheur est une affaire de mise en scène, Batman. Nous le savons, et c'est pourquoi j'ai mis au point ce petit spectacle. Oh! Un point pour tronche de sac. Oh, voilà la toxine. Je peux presque la sentir. Qu'est-ce qui se passe? Barbara! Oui, tu la vois maintenant. L'horreur derrière la glace. Le monstre qui causera ta perte. À moins que tu prennes cette arme et que tu l'arrêtes. N'écoutez pas! Pitié! Pitié, non! Barbara! C'est moi! Votre ami! Tu ne mourras pas! Je te laisserai pas faire! Tu apporteras la mort à tous ceux qui te soutiennent. Monsieur, qu'y a-t-il? C'est fini, Alfred. Comment ça? Barbara. L'épouvantail voulait me punir. Il l'a tué. Non, Seigneur. Monsieur, restons concentrés. Pour les habitants de Gotham. J'aurais dû la protéger, Alfred. Elle est morte à cause de moi. Monsieur, écoutez-moi. Les fichiers de Stagg ont révélé le rôle du fameux déluge. C'est un engin de dispersion. Vous ne voyez donc pas? L'épouvantail a les moyens de répandre sa toxine de peur sur la ville entière. Vous l'avez empêché de la rendre opérationnelle, mais ce n'est qu'une question de temps. Monsieur, m'entendez-vous? Il a entendu. Il se demande comment il peut encore se supporter. Maître Bruce, la mort de Mademoiselle Gordon... Oh, il ne faut pas que ce soit en vain. Tu ne peux pas la ramener. Laisse tonton J prendre le relais. Plus de mauvais souvenirs, plus de chagrin, plus de peur. Parole de scout! Ivy. Oh non! Monsieur? Alfred, faites une analyse satellite de la ville. Tenez-moi au courant dès que vous aurez repéré le déluge. Bien sûr, monsieur. Où comptez-vous aller? Au GCPD. Ivy était immunisée contre les effets de la toxine. Vous pensez qu'elle vous aidera? Disons qu'elle n'a pas le choix.